Alors Adèle, un deuxième César, ouais. Comment on se sent ? Franchement, je me sens chanceuse, surtout avec ce film, je suis trop contente. Je suis vraiment contente, je ne pensais pas que ça me ferait autant plaisir. C'était très beau ce que vous avez dit dans votre discours, que vous avez eu une grande pensée pour les travailleurs sociaux. Bah oui, je le pense. C'est débile ce que je veux dire, mais souvent quand je vais à des événements, pas comme celui-ci qui célèbre le cinéma, mais qui vont être un peu plus futiles, etc., et qu'on m'applaudit, je me dis, ma mère, elle fait partie des travailleurs publics, elle est infirmière, et je me dis, c'est tellement elle qui mérite d'être applaudie. Du coup... Et puis c'est un film qui rend hommage et honneur à ça, à des gens qui prennent le temps, à qui on donne aucun moyen, aucune considération. Donc je suis vraiment contente que ce soit pour ce film. Vous avez aussi pris le temps de remercier Abdellatif Kechiche, qui vous a fait commencer, tous les gens qui vous ont regardé quand vous étiez une toute jeune actrice. Oui. Vous y pensez encore ? Forcément. Il y a 10 ans, je suis venue ici avec ma maman. Je pensais que c'était un coup de poker. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est du travail. Mais il ne faut jamais oublier les premiers qui t'ont donné une chance et qui t'ont regardé. Parce que sans eux, sincèrement, je ne sais pas si je ferais du cinéma. Qu'est-ce qu'il a changé ce rôle, le rôle de Chloé ? Déjà, il m'a appris un sujet que je connaissais absolument pas, qui était complètement mystérieux pour moi. Il a changé en termes de métier d'actrice, de respecter un texte. J'ai essayé de trouver une forme de dignité, parce qu'il y aurait de l'indécence à me comparer à des victimes, donc il y avait tout un travail de recherche. C'est super intime comme question, dans le sens où je sais pas où ça fait appel en moi, mais... Il y a toujours un tout petit peu de nous, même quand on ne le soupçonnait pas dans un rôle, je trouve. Et Chloé, c'était un rôle qui m'impressionnait. C'était une personne, de par sa résilience, son courage, qui m'impressionnait beaucoup. J'ai aucune chute. En plus, je suis émue, donc c'est une catastrophe. Mais en même temps, il n'en faut pas. Et juste un mot, vous avez remercié votre famille, votre fils. Bien c'est sûr. Important, c'est le moteur. Je vais être super sincère avec vous. Mon père, il a dit à mon fils, il le garde ce soir, il a dit, est-ce que tu veux regarder ? Peut-être que maman, elle va gagner une coupe. Il a dit, non, je préfère regarder Tom et Jerry. Et j'étais tellement rassurée. Je me suis dit, ouais, de toute façon, c'est ça la vie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Adèle. Bonne soirée.